Des patients écoutés, diagnostiqués et soignés dans des espaces individuels dédiés, c'est le point central d'un projet de réorganisation initié depuis plusieurs années aux urgences de Saint-Pierre. Si l'attente reste un phénomène récurrent, les responsables du service temporisent en insistant sur une différence majeure, la prise en charge des patients liée à l'évaluation de la gravité des pathologies et le temps de traitement dépendant de facteurs multiples. Aujourd'hui, dans notre service, la moitié des patients ressortent des urgences en 4h10. Donc, quand on arrive aux urgences, on voit tout d'abord un infirmier d'accueil et d'organisation qui, en quelques minutes, moins de 6 minutes chez nous, pourra vous diagnostiquer votre niveau de gravité, la problématique principale, et ensuite vous orienter vers les filières extrêmement rapides et urgentes, rapides ou un peu plus longues. Aujourd'hui, l'accueil des patients se basera sur leur profil, valide ou brancardé, adulte ou enfant. L'objectif étant d'apporter l'accompagnement le plus adapté en améliorant autant que possible la prise en charge de chacun. L'intitulé de ce projet, c'est « Zéro patient couloir ». C'est une volonté de vouloir en premier respecter la dignité des patients. Être dans un couloir, les gens qui ont connu les urgences de Saint-Pierre il y a quelques années le savent et c'est vraiment très désagréable pour les patients. C'est un manque d'humanité et c'est un manque de respect du patient, de sa famille et également des conditions de travail des personnels. Là, le projet « Zéro patient en couloir » permet donc d'avoir des patients qui sont dans des zones d'attente, dans des salles d'examen, puis dans d'autres zones, mais pas dans les couloirs. Et ça, c'est particulièrement important pour eux et pour nous. Le coût des travaux de rénovation s'élève à 5 millions d'euros. Au total, 200 personnes travaillent tous métiers confondus aux urgences de Saint-Pierre pour assurer un service ouvert 24 heures sur 24.